guys, aujourd'hui petit vlog, vous allez venir avec moi, je vais à la Pride de Lisbonne. Yeah! Je vous l'avais dit, c'est que je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que déjà sur la G-App et tout, j'ai l'impression qu'il y a que des hommes blancs. J'ai l'impression que la communauté LGBT ici, elle est un peu non racisée. Pas racisée friendly, disons comme ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donc du coup en vrai de vrai, je vais y aller et on verra pas sur place. Je suis vraiment à m'excuser d'avance parce que le vlog sera ghetto. Je vous dis qu'il sera ghetto parce que je sens qu'il y aura sûrement du bruit, etc. Et que vous aurez du mal à m'entendre. Et j'ai pas encore le matériel, guys, pour proposer vraiment un vlog de qualité, guys. Mais je sais que vous voulez des vidéos. Et même moi, je veux faire des vidéos, guys. Donc du coup, bear with me, franchement. Et soyez indulgents. Je veux vous proposer du contenu de qualité. Mais pour ça, faudra patienter un peu, ok, guys. Donc, please... bear with me. Bah là, j'y vais du coup avec un collègue à moi qui est devenu un pote. Je pense que sûrement, peut-être vous allez le rencontrer. Je sais pas s'il voudra apparaître sur ma chaîne YouTube. I'm not sure. Mais bon, bref, on va y aller tout de suite. Là, il est à peu près 16h et quelques. Et bah, yes, let's go, guys. Guys, pour ceux qui vont se poser la question de comment ça s'est fait que Carrie, en mode le mec de ma story time sur Insta, il m'a vu, c'est que nous, on était posés là comme ça tous les deux. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez regarder ma story sur Insta. Nous, on était posés là tous les deux. Le mec, il ouvre et cette porte-là, elle n'est pas loquée. Donc, quand il a ouvert, j'étais comme ça. J'étais là, à quatre pattes ici. Lui, le mec, il était là. Moi, je le regarde comme ça. Dinguerie. Alors, guys, aujourd'hui, il fait giga beau. Genre, il fait pas trop chaud. Il fait très, très beau. Mais je vous avoue que je sais que je vais avoir chaud. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Oh, I'm scared. I'm so scared. Attendez, mais là, vous pouvez pas voir. Vous voyez là? Non, moi, j'ai appelé, je vous montre arrière. Attendez, ça donne ça. Ah, mais vous voyez rien. Mais oh my god, I'm so dumb, guys. Ah, comme ça. Ah, vous voyez, j'ai mis très très simple, je me suis habillé en or parce que guys, j'ai rien, en fait je suis venu en étant un petit peu clochard. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment de tenue sympa, mais vous inquiétez pas guys, je vous ferai des hauls et tout. Regardez comme il fait beau. It's giving summer, it's giving flower, it's giving trip, it's giving everywhere. It's not that I don't want you. Something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to resist. Think you get away. Bum cheese, bitch, fuels in an every day. All I wanna hear is in the visions that we play. Staring next to you. Genre en mode c'est vraiment une place avec plein de stands LGBT et voilà. Y'a pas de parade. Ouais, y'a pas de parade, y'a pas de chat. Par contre y'a la musique, mais la musique is giving une fois sur deux genre. So yeah. Les gars, vous savez ce qu'il veut me faire là? Est-ce que vous savez ce qu'il veut me faire? Après, il me dit, ouais, tu veux pas me prendre une glace et tout. Je me dis, ah, vas-y, moi je suis chaud pour prendre une glace. Moi je pensais qu'on allait prendre une glace tous les deux, t'as capté? C'est là, il me dit, ah, moi je prends pas. Je dis, comment ça? Et donc, je lui dis, pourquoi tu me proposes moi de prendre une glace? Après, il me dit, parce que je sais pas, t'as faim. Quoi? Après, je lui dis, mais ça c'est pas. Ça veut dire qu'il en mode, les gens ils vont me voir, ils vont dire en mode, regarde, y'a que le gros qui mange. Et lui, il mange pas, genre, c'est grave pas cool. T'as vu? T'as faim. Non, mais non, mais c'est pas gentil, genre. Moi, la pas faim, mais extrême. Non, mais si toi t'as faim, tu manges un truc comme mais j'ai pas faim. Attends, j'ai pas faim.
On est en train de discuter, on est en train de parler, on se disait comprendre que ouais, les gens ici, ils donnent pas trop envie d'aller vers eux, genre. Genre, on est tout, nous, on est grave sociable, de toute façon, vous connaissez, on est grave comme as et tout, et j'ai l'impression qu'eux, ils sont pas comme ça, donc it's not giving envie d'aller vers les gens, tu vois. Et là, on était en mode, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va voir nos autres potes, soit on va au pub où il y a le foot, mais qui va regarder le foot? Qui va regarder le foot? Un scandale. Donc ouais, non, merci. Donc là, je pense qu'on va les rejoindre, on va repartir vers chez nous. Et on va aller rejoindre les filles. So. Catastrophe. Qui a marqué? C'est Ronaldinho. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, il y a le foot aussi. Hein. En même temps, il y a le foot. Ouais, il y a vraiment le foot. C'est la catastrophe. Let's see you guys. Je parle avec moi. C'est dur, on peut parler ensemble, tu vois. Guys, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour mon snap, hein, c'est pour ma série, hein, c'est pour mon vlog. Girl, you in my vlog? Non, pas sur YouTube. Si, c'est sur YouTube. Ok, guys, ce que je voulais vous dire, c'est que là, guys, on va aller. Viens avec moi. On va aller au karaoke, on va chanter comme trop bien, ça va être trop bien. Ah, je suis. Guys, vous voyez, moi je vous ai dit qu'en général, je suis pas trop sur les hétéros. Hein? T'as dit quoi? Ben, j'ai rien. Mais les hétéros m'aiment trop, genre. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Say hi. What was that? Say hi. Bonjour. Oh, okay, French. Okay, French. Do you know how to say your name in French? Joaquin. Okay, you say. No, in French, I mean. You say. Je m'appelle Joaquin. Okay. Oh! Le français avec mes amis ici dans l'appartement. Ok. Chaque jour, c'est plus mieux. Ok, chaque jour, c'est plus mieux. That's nice. Tu as un joli copain? Ah, you mean bonjour. You mean copine like girls? Copine, yeah, ouais. I had a lot of friends. Oh. You want me to to show you my girls? Ouais, ouais. Je voudrais ça. Ouais. There is only boys. Sorry. You want to meet boys? Oh, damn it. Ok guys, bon, écoutez, vraiment, j'ai vu la fast life extrême. Là, on a fini le karaoké, il est à peu près minuit et quelques. Je vous avais dit que j'ai même plus beaucoup de batterie, je sais même pas comment je vais faire. Guys, s'il n'y a pas de fin, I'm sorry y'all. Mais là, on va aller dans une autre soirée. So, I keep you posted. Updated, I guess. No, updated, not posted. Guys, it's giving fun. I'm so happy, y'all. I'm so happy, y'all. Like, I'm living my best life. My best life. Guys, vraiment, je suis désolé si la vidéo... J'espère vraiment que la vidéo va être bien parce que j'ai peur que ce soit ghetto. Mais guys, vraiment, j'ai fait du mieux que je puis pour vous filmer des trucs et tout et pour que ce soit vraiment assez clair et lisible, guys. Donc, please, 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 don't leave me. Ta-ta-da-ta-ta, please, don't leave me. Ta-ta-da-ta-ta.
Ok guys, bon écoutez, that was so fun. Là il faut vraiment que je rentre chez moi parce que bitch, I'm tired as hell. So let me go home and sleep. Plus vite. Bon écoutez, je vais terminer la vidéo en faisant ma skincare. Je vous avais... Attendez, je voulais que je vous montre ce que j'ai gagné. Enfin, ce que j'ai gagné. Ce que j'ai reçu au truc de la Pride, façon. On m'a donné ça. Je sais pas à quoi ça sert. Je comprends pas. Genre, je comprends vraiment pas pourquoi elle m'a donné ça. Elle m'a donné aussi ça. Genre, qu'est-ce que c'est? Durex. Lubrificante, lubrificante. Dulce y placentero. Dulce agravadavel. Venons en faire. Goûte. Notre goûter. Je vais pas goûter, mais je me demande bien ce que c'est. C'est quoi? C'est du jus? Ah, par contre, ça sent bon. On doit mettre où? Bon, écoutez, je verrai ça plus tard. Et on m'a donné un badge, enfin j'ai payé, un badge LGBT. Guys, je suis LGBT. Guys, skincare. Franchement, ma peau, elle est pas, ma peau, franchement, là, je vois qu'elle est pas dégueulasse. Mais vraiment, les boutons de rasage, guys, c'est une dinguerie. Plus jamais de ma vie, je me rase. Aussi fort comme ça. En fait, j'ai gratté ma peau avec mon rasoir. Plus jamais de ma vie, guys. Vraiment. Mais bon, it's okay. Là, je vois déjà que ça commence à partir de petit en petit. Donc, I'm feeling good. La cache. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais sachez que tous les produits que j'ai utilisés là, ce sont des produits que vous pouvez trouver sur le site Koreanistas. Et vous avez moins 15% avec mon code promo YOCAST qui est en plus cumulable avec les moins 10% sur l'offre de la bienvenue. Ça veut dire que vous avez pas mal déjà pour commencer. Et en plus de ça, si vous utilisez mon code, vous avez droit à des échantillons ou des produits en petit format. Et sachez qu'il n'y a aucune somme minimum. Ça veut dire que tu peux prendre ça. Tu auras tes cadeaux et tu auras droit à tes 10% plus les 10 pour 15%. T'as capté? So, yeah. Alors, n'hésitez pas à les commander. Et bref. D'ailleurs, ça, j'en ai plus. J'en ai plus, guys. Donc, le Koreanistas, si vous voulez bien m'en envoyer, comme ça, ce serait trop adorable de votre part. Bref. Guys, franchement, si je dois vous faire un petit débrief de ma soirée. Guys, c'était vraiment bien. Je vous avoue un truc, c'est que quand je suis venu ici, j'avais peur de justement devoir me faire des amis. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas forcément des amis, mais juste être dans la démarche au carré. En gros, je dois réapprendre des gens. J'avais peur de ça. Parce que ça, c'est un truc que vraiment, quand j'étais à Paris, j'avais plus envie de faire. Parce que j'étais déjà avec mon groupe. Je me sentais bien dans mon groupe. Pourquoi genre devoir sortir de ce confort-là et aller me mettre dans... Encore le stress de l'inconnu ou de l'hypocrisie ou de ce genre de choses, t'as capté ou pas? Donc j'avais peur de ça en venant ici. Je voulais dire que vous le voyez pas parce que je sais très bien le fake it, tu vois. Mais sachez que j'avais vraiment du mal, enfin j'ai toujours du mal à me recréer des liens. Je vous ai déjà parlé de ça par rapport à plein de choses. Et franchement, guys, je m'attendais vraiment pas. Déjà, j'ai vraiment la chance et je remercie Dieu que je suis tombé vraiment sur des gens qui sont adorables, qui ont les mêmes valeurs que moi. Quand c'est trop de la façon dont on se comprend. Bon, après, ça fait une semaine, mais franchement, je vais tout faire en sorte pour que ça se passe vraiment bien, tu vois. Mais bon, après, moi, je m'en fais pas de mon côté parce que je me connais et je sais que je sais prendre les choses sur moi, je sais faire en sorte que. Je ne dérange pas, tu vois, je suis cette personne, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc moi, je sais de mon côté qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça veut dire que si moi, j'ai pas de problème, que la personne en face d'elle, en face de moi, elle n'a pas de problème, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, t'as capté ou pas. Et aussi, je suis très dans la communication. Donc pour moi, s'il y a un souci, je vais parler et on va essayer d'arranger les choses, tu vois. Et dites-vous que là, ça fait que deux semaines, enfin même pas deux semaines, mais presque deux semaines que je suis là. Ça veut dire que j'ai encore plein de soirées comme ça qui m'attendent, plein de trucs qui m'attendent, plein de surprises qui m'attendent.
quand j'ai tellement fait le bon choix de venir. Et à un moment donné, je regrettais, et je me suis dit, non, j'ai trop bien fait de venir quand je suis... De toute façon, je vais tout vous partager. Je sais pas comment... Dites-moi, bon, je sais pas... Je sais que ce vlog, il aurait été un peu ghetto, parce que, vas-y, vous connaissez, il n'y a pas de micro. J'ai fait comme j'ai pu, quand même. Vraiment, j'ai fait comme j'ai pu. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire en sorte... Bon, là, c'est une note à moi-même. Je vais vraiment essayer de faire en sorte de faire des transitions, des trucs mignons et tout, pour que vous appréciez ce vlog. Guys, vraiment, si vous appréciez ce vlog, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Dites-moi, parce que je veux que ça me pousse à continuer à faire. Et je sais pas, j'ai besoin de vos soutiens là le plus que possible. Même si je sais déjà que j'avais déjà. Mais là, j'en ai vraiment encore plus besoin, guys. Ok? Donc, guys, much love. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me follow sur Insta et tout, guys. Insta. J'ai aussi créé un nouveau Insta, un nouveau TikTok pour juste les petites vidéos que je mets sur Insta. Si vous n'êtes pas sur Insta et que vous voulez regarder sur TikTok, vous avez capté. Parce que je sais que des fois, l'algorithme, il play with me. Donc, n'hésitez pas à follow aussi mon TikTok. C'est moi, c'est Yocast. N'hésitez pas à follow aussi mon TikTok de spam. Juste Yocast. Et mon TikTok, Just Yocast. De toute façon, je vous mettrai tout, guys, en barre d'infos. Vous avez tout en barre d'infos. Tout. Everything in the barre d'infos. So, guys, much love. And see you soon.